Et salut à tous, c'est Titsoko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture un peu spéciale. Je vais ouvrir du Légende Brillante et plus précisément le coffret Zoroark. Donc voilà, j'ai trouvé ce coffret en me baladant tout simplement. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du Légende Brillante. J'en ai ouvert très très peu. Et donc voilà, c'est parti pour l'ouverture de ce beau coffret. Je vais essayer d'enlever le blister. Du coup, wow, je suis en train de tout démonter. Tout va bien. J'aurais dû peut-être enlever le blister avant. Du coup. Hop. Il est énorme. C'est incroyable quand même qu'ils aient prévu cette place-là juste pour la jumbo. Enfin, je présume que c'est juste pour la jumbo. À savoir que ce coffret, je l'ouvre parce qu'il est abîmé en fait. Voilà. Je ne peux pas le laisser dans ma collection dans cet état-là. Alors. La vache, il me résiste celui-là. La colle de l'époque, c'est pas la même que maintenant, je peux vous le dire. Hop. Donc voilà, donc, j'avais bien pressenti ça. Ils ont bien mis une énorme place juste pour la jumbo. Et en même temps, tac-tac, je vous partage le petit code. Donc, on est parti sur 5 boosters légendes brillantes avec donc, la carte promo Zorua et forcément le Zoroark en GX. Je vais pas les bouger maintenant parce que c'est comme ça encore les vieux. En fait, tout simplement, j'ai peur de les abîmer en les sortant. Donc, je vais les sortir de là hors caméra pour les mettre tout de suite sous sleeve, tout simplement. Et donc, voilà ce qu'on a dedans. Donc, 5 boosters. On a Genesect, Sect, on a 2 Mew et 2 Mewtwo. Et Mewtwo, c'est juste, finalement, je pense, le Pokémon que je préfère entre tous. Et la vache, ils sont par contre si pesants. Hein. Celui-là, moi. Tac. Donc, le petit jeton qui est sympa aussi. Je mets ça de côté. Et donc voilà. Donc, Mew, Mewtwo, Mew, Mewtwo et Genesect. Et donc, c'est parti. On va mettre ces quatre-là de côté. Et on va commencer par celui-ci. Donc, si je ne me trompe pas, je vais remettre la caméra en place en même temps. Tac. Désolé pour le move. Donc, si je ne m'en trompe pas, il me semble qu'on est en 1, 2, 3, 4, 1, 2 pour le tri. Donc j'espère ne pas me tromper, on verra ça. Ah la vache. Ah ouais, ils sont hyper plastiques en fait ces boosters-là. La vache. Ça va être coton pour les sortir. Tac, alors, le petit code pour vous est 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Il me semble que c'est ça. Et ça commence plutôt bien avec la carte qui est très abîmée derrière, donc j'espère que ce sera rien de fou. C'est quand même fou de se dire ça hein, quand elles sont abîmées. Donc on commence avec Matoufeu, Posipi, Mustéboué, Caïminus, Chartor, Énergie, Énergie de la Distorsion, Arbok, Super Rappel, Zorua en reverse. Elles sont vachement stylées, hein. La vache. Et oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, je suis contente, mais en même temps, ça m'énerve parce que du coup, elle est genre super abîmée derrière. Et ça, franchement, c'est chiant. C'est chiant. Donc, Zorua et Zoroark GX, du coup. Donc, pour aller avec le petit Zorua. Donc, voilà la première GX que je chope. Donc, je suis contente, mais en même temps. En même temps, voilà quoi. L'état de la carte, c'est pas ouf. Donc, première GX, trop contente. C'est les coffrets que j'ouvre en ce moment, mais ils envoient du pâté, hein. Donc, on va continuer avec le petit Mew de Légende Brillante. Et donc, du coup, juste une petite piqûre de rappel. Effectivement, le tri, c'était bien ça. C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2 pour le Légende Brillante. Allez, viens là. Ouh, air bizarre. Elle est stylée cette illustration-là. Le petit code 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Non, mais même elle, elle est pas ouf. Hein. Alors, le petit air bizarre, franchement, l'illustration, elle envoie du pâté. Zorua, encore une fois. Flamiaou, pour aller avec l'autre. Quillfish, Balignon, Énergie. Super rappel, encore une fois. Spiritomb, Golemastock. Posipi en reverse et
Lasios en rare holographique. Elle envoie aussi du pâté, celle-là. Eh ben, dis donc, je trouve qu'en deux boosters, c'est déjà bien. On a donc une GX et une holographique en deux boosters. Donc, c'est parti pour le Mew. Et ça bouge pas, hein, là-dedans, c'est. Les cartes, elles sont collées-collées. Donc, est-ce que ça veut dire que ça va être bon? On verra, j'espère juste qu'elles ne seront pas abîmées. Allez, oh la vache. J'ouvre ça tellement à l'arrache là. Oh, c'est horrible. Regardez-moi, c'est n'importe quoi. Allez, cette ouverture là. Alors, le code est 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Et encore un beau, beau, beau défaut sur la carte. Alors, Babyiguan pour commencer, Balignon, Quillfish, Limonde, Bulbizarre, mais c'est fou comme elles sont bien en fait, ces illustrations. Énergie, Félinferno, oh ben ça y est, on a tout fait. Chris, Super Rappel, mais je vais l'avoir dans tous les boosters le Super Rappel ou comment ça se passe? Énergie Feu, Énergie Feu Reverse. Alors là, franchement. Eh, ça envoie, hein. Et Palkia en holographique. Mais je sais pas si c'est normal ou pas, mais. Stylé. Elles sont stylées. Bah dis donc. Elle envoie du lourd cette extension. Je comprends que les gens l'apprécient. Donc on en arrive à mes petits Mewtwo. Mewtwo qui est un Pokémon qui a été créé, mais qui est tellement stylé. Donc voilà. Donc les petits préférés. J'aimerais bien que ça envoie vraiment du pâté pour cela. Hop. Juste histoire de me réconforter dans le fait que je me dis que Mewtwo, c'est mon Pokémon préféré, etc. etc. Hop. Alors, le petit code. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Et Matoufeu, encore une fois. Chapignon. Négapi. Pyronil, Chartor, Énergie, Tili, Féninferno, encore une fois. On a Attrape Pokémon, on a Golemastock en reverse, et on a. Oh, mais c'est pas vrai! Mais truc de fou! Allez! Je fais tomber le Rayquaza brillant direct! Mais c'est quoi cette ouverture de fou? Allez! Mais c'est pas vrai! Mais j'ai franchement, avec les coffrets en ce moment, j'ai une chance, mais monstrueuse. Hop, je vais juste tout de suite la mettre sous sleeve. Je vais vous montrer, j'ai ouvert un petit coffret juste avant et j'ai chopé ça. Mais c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! C'est juste trop bien! Donc le petit Rayquaza brillant qui va bien, en plus du Zoroark et des deux autres que j'ai eus. Et en termes de qualité, franchement, elle est top. Hein. Elle est top. Ici, on a. C'est de la poussière, hein. C'est pas un point blanc. Ah purée, je suis trop contente. Donc le petit Rayquaza brillant. Oh la vache! C'est vraiment trop trop bien. Hop, donc on va tout de suite le mettre de côté avec ses copains et il nous restera un booster à ouvrir. Donc, le dernier booster, je suis en train doucement de me remettre de mes émotions, le petit Rayquaza brillant. Mais il me fait mais trop, trop plaisir. Franchement, c'est trop bien. Hop, manquerait plus qu'on sorte le Mewtwo. Alors là, franchement, ça enverrait vraiment du pâté. Donc, je savais que Légende brillante, c'était une extension qui avait été appréciée. C'est pas une extension que j'ai eu l'occasion d'ouvrir beaucoup. Mais là, pour le coup, franchement, je comprends. Hop! Donc, le petit code promo pour vous est 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Quillfish, Chartor, Négapi, Lipoutou, Ervizard, Énergifée, Attrape Pokémon, Super Ball, Bagaïd, on a. Une Hyperball en reverse et
C'est pas possible. Mais c'est quoi ce coffret? Volcanion brillant. Mais c'est un truc de fou. Mais je vous jure, mais c'est un truc de fou, vraiment. C'est quoi ça? J'ai acheté ça, vraiment, totalement par hasard. Je suis tombée dessus, je me suis dit, ah bah tiens, ça, ce serait cool et tout. Ah, mais trop, trop bien. Alors du coup, Volcanion brillant. Rayquaza brillant. Attention, celle-ci, je suis contente, mais un peu moins à cause de ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc Zoroark GX, donc qui est très très abîmé. Donc ça, franchement, je suis très déçue par rapport à ça. Mais sans déconner, c'est quoi ce pack? Et après, on a eu... où elles sont? 1, 2, 3, 4. On a... Ah voilà, ici. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vraiment. 5 boosters, 5 hits. Je pense que ça n'arrive jamais. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. En dehors du coffret que j'ai ouvert là, il y a pas longtemps. Donc, c'est un truc de fou. Donc, voilà pour cette ouverture légende brillante. Franchement, j'en reviens pas. C'est vraiment fou. Il faut que je mette ça sous sleeve aussi d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est important pour la chaîne. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!